Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course, enfin des grosses courses. On a essayé de refaire un petit peu les stocks avec Anthony parce qu'il nous manquait plein de choses. Plein de choses, que ce soit de l'alimentaire déjà et du non-alimentaire également. On a trouvé plein de promos intéressantes, du coup on a été chez Leclerc. J'ai eu une bonne réduction, je vais tout vous montrer juste après, j'ai tout posé derrière, enfin il y en a un petit peu partout. Donc là j'arrête de parler et je vous montre directement les courses de la semaine. Alors donc là je vous ai posé une partie ici, donc là le frais, là je vous ai mis le pas frais, j'ai pas tout sorti encore, il y aura la partie non alimentaire et la viande et c'est tout. Donc là au niveau du rayon frais j'ai pris beaucoup de promos, il y avait pas mal de promos, donc pas sur tout, mais il y avait quand même pas mal de réductions, en tout j'en ai eu pour 168 € au lieu de 196, donc j'en avais pour 33 € de réduc, donc en réduction immédiate, donc j'ai trouvé ça intéressant pour certaines choses. Donc là pour les enfants je leur ai pris ça, c'est vraiment pour le mercredi parce que c'est la course, et aussi le jeudi parce qu'Arthur en fait il a du tennis le mercredi et le jeudi soir aussi, donc il prend son goûter comme ça en express dans la voiture. Là pour le dessert j'ai pris des kiri comme ça, qui est en promotion, il y avait une bonne réduction dessus, je ne me souviens plus exactement, mais il y avait une bonne réduction dessus. Là la crème il n'y avait pas de réduction, mais ça on en mange tout le temps. Je crois que vous le savez, dans toutes mes recettes, j'en ai besoin. Donc voilà, bon, je prends toujours de la crème. Là, il y avait une réduction sur les yaourts, les deux vaches. Donc j'ai pris les trois parfums préférés des enfants, donc poire pour William, poire William, quoi, voilà. Il porte bien son nom, William, parce qu'il adore la poire. De la vanille, ça c'est pour Arthur, et framboise pour Victor. Vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il n'y en a pas un qui va prendre le parfum de l'autre parce que c'est vraiment leur parfum préféré, quoi. Donc ici, c'est pour Anthony, il a choisi des yaourts comme ça, enfin des desserts plutôt amandine aux poires. Là moi j'ai pris ça, chacun a pris son dessert, là c'est, enfin les enfants n'étaient pas avec nous mais bon moi je connais leur goût. Mais sinon Anthony a pris ça, moi j'ai pris le riz au lait comme ça, vanille bourbon, il y avait une réduction dessus. Là il n'y avait pas de réduction, le fromage il n'y avait pas de réduction, mais ça voilà on en prend toutes les semaines. Et je ne sais plus, c'était dans les 3 €, mais c'était moins cher que de les prendre en sachet individuel, les trois petits là. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre dans la soupe. Voilà, parce qu'en ce moment le soir c'est beaucoup de soupe et de purée, ça part très vite. 3 bûches de chèvre, comme d'habitude, la tradition des 3 bûches, toujours là. Des œufs pour faire des gâteaux. Donc là ici j'ai mis toute la partie épicerie, j'allais dire salée, mais non, tout s'est mélangé. Pareil, ça c'est pour le goûter des enfants quand c'est le sport. Donc ça c'est pour Victor, non pour Arthur et William. Et là c'est pour Victor, voilà, là on a ce qu'il faut. Pour les 2 semaines qui viennent, on est bon là pour les 2 semaines. Et là, donc du sucre pour faire des gâteaux. J'ai repris du ketchup puisqu'on n'en avait plus. Anthony a voulu prendre du Coca-Cola, voilà. J'ai repris un petit peu de pâte parce qu'on en a encore un petit peu, mais pas trop, donc ça part vite. Donc j'ai pris celle-ci pour changer les nouilles fines et un paquet de coquillettes comme ça. Anthony a pris des dosettes comme ça, là il est en train de tester toutes les variantes, voilà, parce que ça fait pas longtemps qu'on a la machine, donc bon, il aime bien, franchement le café comme ça, il le trouve pas mal, donc là il a pris ça, et deux têtes, c'est 3,51 je crois, mais il y en a pas, il y en a 11, donc il y en a un petit peu moins que dans les Dolce Gusto, mais c'est moins cher aussi, donc au final ça revient quasiment au même. Moi j'ai pris le calendrier de l'Avent qui est en promotion de Clipper. Je l'avais pris l'an dernier chez Lidl, il était tout rose. Il y a pas mal de variétés à l'intérieur. Il y a le Happy Mondays, alors ça c'est avec du citron, donc c'est parfait. Et du poivre noir par contre, waouh. Poivre noir, je ne sais pas ce que ça va donner. Thé vert chai, donc ça j'aime bien. Il y a orange et curcuma, donc ça c'est pas mes préférés. Tout ce qui est à base d'orange, j'aime pas trop, mais bon. Voilà, quand c'est les fêtes, il y a souvent de l'orange dans tout. Il y a le détox, c'est hibiscus, fruits rouges. Encore orange et citron, mais bon, avec le citron ça passera peut-être. Keep Calm, ça c'est pour le soir, avec du miel, de la cannelle et de la camomille, thé framboise menthe, thé vert citron, thé blanc framboise, citron et gingembre et attrape-rêve. Donc c'est pas mal pour mon petit calendrier de l'Avent. J'ai pris en plus celui-là, qui était en promotion, thé blanc citron, il est vraiment vraiment trop bon. Donc ça c'est fait. Là pour
les placards, donc une boîte de champignons, une boîte de haricots verts. J'ai pris de la soupe comme ça. Tout ça, c'est des promos. Non, pas les boîtes de conserve, mais ça, c'était en promotion. Les soupes, il y avait une bonne remise dessus. Et là, il y avait une grosse, grosse promo sur les produits innocents. Donc, comme j'ai jamais testé pour les enfants, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je crois, je sais même pas comment c'est à l'intérieur, mais c'est des boissons spéciales pour les. C'est des briquettes. Voilà, briquettes. Voilà, briquettes, c'est des briquettes. Ça, ça va être parfait aussi pour le sport. Et il n'y a pas du tout de sucre ajouté à l'intérieur, c'est du fruit et que du fruit. Donc j'ai pris les 4 variantes, fraise, framboise, pomme, pomme cassis, orange, mangue, ananas, et là, pêche, fruit de la passion et orange. Donc je mets tout ça au frais ce soir, et comme ça demain ils auront de quoi faire pour aller au sport. C'était à 2,46€, et normalement c'est 3€ quelque chose. Donc c'est pas donné de base, mais là, en promo, ça valait le coup. Et là j'ai pris ce smoothie, j'étais trop contente de le voir. Ça m'a rappelé l'Angleterre parce que c'était une saveur qu'on avait trouvée là-bas et je l'avais jamais vue en France. Et là du coup bah super, génial. Et elle y est aussi. Donc c'est la première fois que je la vois. Donc bah, je suis très contente parce qu'il est super bon. C'est goyave, ananas et pomme. Et là j'ai pris cette eau là, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la Voss. C'est une eau qui est norvégienne et en fait on a découvert ça pareil en Angleterre. Et Arthur il avait des petits soucis de transit en Angleterre. Enfin voilà, il n'arrivait pas à aller aux toilettes hein, pour faire simple. Et du coup quand il en a bu, nickel. Mais ça a agi mais quasiment instantanément. Donc du coup on s'est dit maintenant si on en trouve en France, bah on en prendra parce que ça lui avait vraiment fait du bien. Et là c'est ce qu'on fait, on en a à côté de chez nous au Carrefour. Et donc dès qu'Arthur a des petits soucis, pourtant il mange des légumes, il mange tout ça, mais c'est le seul qui a tendance à voilà, avoir des petits soucis comme ça. Ça c'est fait, je vous ai tout montré pour cette partie là, et maintenant je vais vous montrer bah, le reste. Alors donc là, au niveau de la viande, j'ai pris des aiguillettes de poulet comme ça que je fais avec de la crème et des champignons. Je vous ai montré la recette il n'y a pas très longtemps, bah là dans la journée dans mon assiette justement. Ça je le fais une fois par semaine aux enfants parce que vraiment ça passe tout seul. J'ai aussi pris des pilons de poulet et au niveau de la viande, je rajoute ensuite, là on ira demain du coup à la boucherie. Quand on revient du sport, on passe par la boucherie et je prends quasiment à chaque fois la même chose. Donc de la viande hachée et je vais prendre aussi de l'agneau. Donc après je vous montre pas forcément parce que c'est voilà, quand je vais à la boucherie je ne fais que ça. Donc c'est pas forcément intéressant de faire une vidéo que pour ça. Voilà pour ceux qui m'ont posé la question au niveau de la viande. J'ai aussi pris du blanc de poulet comme ça pour faire des sandwichs pour demain midi. Et du colin d'Alaska comme ça, enfin ça c'est pour le congèle, pour dépanner façon fish and chips. Parce que ça c'est pas mal du tout avec une purée maison. Ensuite j'ai pris donc 2 packs de Volvic. Alors les packs de Volvic ça nous dure, en fait il nous faut 2 packs, je vais y arriver, pour la semaine. Et du lait. Le lait par contre ça va nous durer une semaine et demie, là on sera tranquille pendant une semaine et demie. Et il y avait une grosse promo sur le lait, je crois que c'était 7€ le lait 8 litres, donc c'était relativement intéressant. Alors donc pour le non alimentaire, j'ai pris, alors c'est quasi, enfin ouais non c'est que des promotions, c'est que des promotions. J'ai repris ce paquet là, donc ça c'est pour tous ceux qui m'ont posé la question, j'espère que vous regarderez cette vidéo. C'est les lingettes que j'utilise pour nettoyer bah, tout le haut en fait, elles sont vraiment trop bien, super pratiques. Et là en ce moment c'est en promotion à 2,50€, c'est quasi moitié prix, je crois que c'était 40%. Là c'était un paquet acheté, le deuxième moitié prix. Habituellement je prends le paquet gris. Là je me suis dit je vais changer. Donc à voir, parce que celle-ci ça me dit rien. Efficace même sur la graisse. Inutile de... je sais pas, j'en avais testé un paquet vert mais c'était pas celui-là, c'était un autre. Donc à voir. Mais en tout cas quand il y a des promos comme ça, c'est toujours très très intéressant. J'en profite pour refaire les stocks. Là franchement je suis tranquille pour 2 mois. Ouais je suis tranquille pour 2 mois parce qu'en fait je fais une machine par jour de lave-vaisselle, donc là vous voyez c'est 33 jours, donc là j'en ai pour 2 mois, sachant qu'il m'en reste encore un petit peu, donc voilà, ouais, je suis tranquille pour les 2 mois qui arrivent. Voilà, ça j'ai repris des essuie-tout, pareil pour ça j'en ai repris 2 paquets, ça c'était un acheté, le deuxième offert, donc c'était ouais, c'était intéressant, j'ai trouvé. Celui-ci c'est zéro parfum, élimine et empêche les mauvaises odeurs, c'est nouveau. Donc bah du coup je sais pas ce que ça sent s'il n'y a pas de parfum, mais bref on va voir. Et là celui-ci c'est fleurs naissantes, voilà c'est très poétique, on va voir. Et ce qu'il y a de bien c'est que ça se pose en fait, voilà ça fonctionne sans pile et ça se pose comme ça. Et après c'est trop tranquille, combien de temps? 50 jours, donc ouais quasiment 2 mois aussi. J'ai pris de l'assouplissant, donc là l'assouplissant n'était pas en promo malheureusement. Et franchement au niveau du remplissage, ils vont vraiment pas jusqu'en haut. Ça c'est...
Ouais, il pourrait monter un petit peu plus quand même. 5,20€ cette bouteille. Franchement, ça a trop augmenté. C'est un truc de malade. Je la prenais pas à ce prix-là avant. Et mais là, c'est du luxe en fait. C'est clairement du luxe. Mais vraiment, l'odeur, elle est vraiment top. Et là, vous pouvez faire 45 lavages. Donc pareil, je suis tranquille pendant un mois et demi. Parce que c'est pareil, je fais une lessive par jour. Donc ça va durer quand même un petit moment. Et là, j'ai repris des pods. J'en avais encore, mais là, il y avait une bonne réduc. Surtout que c'est la collection, enfin, c'est les Dash avec les Nord et c'est Souffle Précieux. Donc, comment vous dire que là, je suis très pressée de faire une lessive. L'odeur est trop, trop agréable. Donc, 23 lavages. Je vais plus de ce que j'ai déjà à la maison. Ça va me faire un mois facile. Donc, là, je suis tranquille. Franchement, au niveau des stocks, là, on est bon. Et pareil, il y avait une promotion sur ce liquide vaisselle, enfin, la marque Meyers. Donc, j'ai pas repris le rose, j'ai pris le vert parce que je l'aime bien aussi. Donc c'est basilic et c'était pareil, moins 40%, donc vraiment ça valait le coup, mais je n'en ai pas pris trop non plus parce que je ne sais pas où les stocker. Et voilà pour ce retour de course Leclerc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.